Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 36e épisode sur Dragon Quest Builders. Dans l'épisode précédent, on a fini le chapitre 3, Cole et Galenholm. J'ai eu beaucoup de mal contre le Maglator, le boss final, où je me suis pas mal énervé. Mais voilà, c'est fini et on va entamer ce dernier chapitre qui s'appelle Tantagel. Ça, ça a l'air bien dévasté comme c'est sombre. Ryu, mon enfant, entends-tu ma voix? Tu te trouves au pays des morts, un lieu que ma lumière ne peut atteindre. Dans cette contrée qu'est Tantagel, tout a disparu, même l'étendard de l'espoir. Ok, il y a un feu en face. Et pourtant, je discerne quelque chose. Va, Ryu, pars en quête de tes semblables et trouve l'étendard. Sache que je veille toujours sur toi. Ok, ah ouais, j'ai les haltères que Aldo nous a laissés en partant. Il nous a dit, tiens, serre ça très fort dans tes mains et tu devras les avoir avec toi. Bon, par contre, je suis tout nu. Je n'ai pas d'objet. Ok, donc j'ai... petit bonhomme avec le feu. Ah, je peux pas casser. Il y a fort longtemps que j'attendais ta venue, Ryu. Si longtemps que le nombre des années m'échappe. Tu es le bâtisseur dont parle la prophétie, est-ce bien cela? Approche, laisse-moi te regarder. Si un jouvent saut tel que toi est vraiment le sauveur dont t'a parlé la toute-puissante Rubis, je crains que le chemin qui nous attend soit long. C'est pourtant celui que nous devons suivre. Je suis Nestor, devin de Tantagel. Suis-moi. Ok, je préfère récupérer le feu, ça pourra toujours nous être utile. Ah, par contre, c'est extrêmement sombre comme univers. Enfin, il n'y a pas une once de lumière hormis les feux de camp. Là. Pardonne-moi, je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Laisse-moi me reposer un instant, je t'en prie. Ryu, tu es le serviteur de la toute-puissante Rubis. Tu es celui dont j'attends la venue depuis tant d'années. Des années difficiles. Mais si cela est vrai, pourquoi as-tu le visage nigo et l'air ébahi d'un simple esprit? Et pourquoi donc, lorsque nous sommes rencontrés pour la première fois, ne t'es-tu pas adressé à moi en m'appelant monsieur, en utilisant un bien moins formel grand-père? Enfin, cela importe peu. Notre destination est encore loin devant nous. Continuons. Ok, on continue. Ok, là-bas, je sais pas si vous avez vu, il y a du feu. Ouais, mais attends, il y a le... Aïe. Ah, on va peut-être pouvoir se fabriquer un vêtement avec le tissu. Dis-moi, mon garçon, ne viens-tu pas essayer de me dépasser? Non. Enfin, cela importe peu. Même si tu sortais le fouet, je ne pourrais pas avancer plus vite. Je dois me reposer un instant. Ce territoire où était jadis la puissante cité de Tantagel, capitale du royaume de la Vicar. Mais ce n'est désormais guère plus qu'une terre désolée, dévastée, incapable d'accueillir la vie humaine. Tantagel est devenue une terre de ténèbres, où l'espoir et le bonheur ne sont plus que de vagues souvenirs. En tant que bâtisseur de légende, c'est à toi qu'il incombe d'accomplir le devoir sacré de ramener cette terre inculte vers la lumière. Mais un minuscule frottin tel que toi est-il vraiment capable d'un tel exploit? Viens, continuons. Notre destination n'est plus très loin. Bon, là, il y a l'air d'avoir de la lumière dans ce village. Ah, et puis il y a des fleurs. Attends, je vais ramasser un peu les fleurs. Ah.
là une branche, j'en ai vu une à côté de la cabane. Encore une fleur. Tout le temps essoufflé, papy. Bienvenue à Rio, dans le dernier lieu de tout Tantagel où persiste encore un souffle de vie. Je t'ai emmené ici sur ordre de la toute-puissante Rubis, afin que cet endroit serve de point d'ancrage à ton œuvre de reconstruction. Comme tu le vois, c'est un lieu encerclé par la mort. Pour que la lumière puisse un jour revenir à Tantagel, tu dois d'abord insuffler à nouveau la vie sur ces terres. Je te demande pardon, tu souhaites en savoir plus sur la statue qui se dresse dehors? Elle est l'image fidèle, gravée dans la pierre, d'une princesse qui vécut jadis sur ces terres. J'ignore d'où elle vient, mais il est possible que l'influence lumineuse de cette statue ait tenu les ténèbres à distance. Tu dois donc, toi aussi, trouver un moyen de ramener cette terre désolée à la vie. Lorsque tu auras découvert par quel moyen le faire, je t'invite à voyager jusqu'aux ruines du château de Tantagel afin de rebâtir la capitale. Je sais beaucoup de choses, mais la façon dont tu parviendras à atteindre cet objectif n'en fait pas partie. Tu dois le découvrir par toi-même. La seule indication de direction que je puis t'offrir est celle-ci. Puisse-t-elle éclairer et guider ton chemin dans l'obscurité. Alors, Ryu, penses-tu qu'il soit en ton pouvoir de ressusciter cet endroit? Il n'y a que très peu de choses disponibles ici, en termes de matériaux bruts. Et rien d'autre qu'une vaste collection de branches cassées et d'ossements de monstres et d'hommes. Il n'y a pas non plus de nourriture, j'imagine que la fin de tourmente est mort déjà ton estomac vide. Et je survis grâce au peu de subsistance que me procurent les brumes mouvantes. Tiens, permets-moi d'en partager une partie avec toi. Ok, donc il me nourrit. Si d'aventure tu devais sentir la brûlure de la soif, il y a une source non loin d'ici. Il te faudra néanmoins fabriquer un récipient quelconque pour transporter son eau avec toi. Ok. Un seau encore, un seau basique, ok. Donc, est-ce que je peux le fabriquer le seau encore? Okay. Il faut des cornes, par contre j'ai les branches. Et je peux me faire des baumes de soins. Il faut 3 tissurages pour un haillon. Enfin pour le... Déjà on va mettre le petit haillon. Ça fait un peu minable, mais c'est toujours ça. Il me faut de la corne, donc il a dit. Donc là-bas il y en a plein. Je vais essayer d'attraper un peu de tissu rêche aussi. Si je peux me faire un vêtement plus puissant. Bien par là. Donnez-moi du tissu, les copains. Non, aucun de vous veut me donner du tissu rêche. Ah, voilà, toi t'es gentil. Ok, donc là il y a d'autres squelettes. Je les laisse me mettre un peu de poux parce que de toute façon j'ai des baumes de soins. Donc c'est pas trop gênant encore. Il n'y a aucun de vous qui veut me donner des... Ok, bon, c'est pas grave. Ah, là une branche verte. On va faire le saut. Thank you.
pas le casser ça. Hop. Pareil, il y a les petits pétales, on va les récupérer. Ça pourra toujours nous être utile pour plus tard. Je viens pas embêter. Je prends de l'eau pure, mais je vais casser la fontaine, je vais l'emmener avec moi, je pense que ce sera plus simple. Ça nous évitera de faire des allers-retours. Puis après, on va lire le petit livre qui est à côté. Le livre s'intitule « Les cahiers de Tintagel, volume 5 ». Voulez-vous le lire ? Combien d'années se sont écoulées depuis mon départ de ma ville natale de Cantelin ? Je n'en ai aucune idée. Finalement, j'ai pénétré dans la région de Tintagel qui avait été autrefois la capitale de Hefgard. Malheureusement, elle n'est plus. Une certaine distance me sépare encore du château de Tintagel, mais le remugle de la mort et de désespoir est presque insupportable. Le château de l'Ardragon se trouvant sur l'autre rive, il semblerait que ces terres aient subi de plein fouet la malédiction de ce démon. Par un heureux hasard, cette fontaine purifiante a échappé à ce sort funeste. Je peux remplir mes gourdes et poursuivre mon voyage. Tout ce qui m'entoure est souillé par cette malédiction, mais quiconque possède un simple seau peut tirer une eau claire et potable à cette fontaine. Au dire de la population, il aurait été placé ici par un érudit qui espérait utiliser ses pouvoirs de purification pour redonner vie à cette terre. Il s'était ensuite retiré un peu plus au nord, où il poursuivait ses recherches dans l'espoir de découvrir la formule de l'eau sacrée. À quiconque lira ces lignes, si vous souhaitez débarrasser cette région de la malédiction, trouvez la demeure de cet érudit. Pour ma part, je poursuis ma quête. Dans cette ère viciée, chaque respiration est plus difficile que la précédente. Le but de mon périple doit être tout proche. Messire Théodorus Jacques Lamarneau, brigade des gardes de Cantelin. On ne peut pas casser la statue. Ok. Il me faudra un petit pétale de plus. Ah, petit tissu, c'est bien. Là, j'ai vu un autre squelette. Ce sera bien qu'il m'en... Ok, cool. Je vais pouvoir me faire un équipement plus résistant. Et on va retourner au village. Enfin, à l'espèce de village, on va dire. Je prends ça, c'est pour bloquer les... faire la maison en fait. Bon, ça nous permettra de dormir quand tu auras les monstres. Hop. À faire nuit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir. Comme ça, il fait bien, enfin il fait à peu près jour. Ah, par contre je peux me faire que des bâtons de cyprès. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser le naviglobe là, ça me permettra de me repérer. Et ensuite on va aller par là, vers le... À
mince, j'aurais dû me... En plus, je me dis, faut que je fasse la tenue. Ça me permettra de prendre moins de dégâts. Allez, c'est parti. Et là, je suis un petit peu mieux habillé quand même. Par contre, j'ai rien à manger. Quelques petites branches vertes. En bas, aïe, une lettre est posée sur la caisse. Elle semble avoir été écrite récemment. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai vraiment pas de chance. Pile au moment où le bâtisseur arrive et où les humains commencent à reprendre la main, je fais naufrage et j'échoue ici dans cette contrée désolée. Près d'une source, j'ai découvert un livre disant d'aller au nord pour trouver comment produire de l'eau sacrée, mais il n'y avait rien. Je vais rassembler mes dernières forces pour gravir cette montagne. Qui sait, j'y trouverai. Peut-être mon salut au sommet. Le message s'arrête ici. Ok. Donc, je suppose qu'il faut que je trouve quelqu'un. Ah, bah voilà. Il y a une personne. Aucune réponse. Ce n'est qu'un cadavre. Mais quelque chose est écrit dans la cendre près de lui. Mur creux, escalier caché. Ryu ne parvient à rien déchiffrer d'autre. D'accord, mais là, le mur il est un peu différent, je pense que vous voyez des autres pierres. Ok. Sanctuaire caché. Allez, viens par là, mon petit. Ok. J'ai entendu qu'il y avait des monstres. Ah. Une vieille lettre à l'encre passée et posée sur la caisse. Plusieurs années se sont écoulées depuis le début de mes recherches. Et enfin, je suis sur le point d'atteindre mes objectifs. J'ai découvert comment produire l'eau sacrée, le seul moyen de conjurer la malédiction lancée par notre ennemi. Mais les monstres ne sont pas stupides, leurs attaques se font plus fréquentes ces derniers temps. Je n'avais pas d'autre solution que de me retirer au plus profond de ma demeure et de placer des pièges pour faire obstacle à leurs attaques. Quel que soit le sort qui m'attend, je dois empêcher que l'unique espoir de l'humanité disparaisse à jamais. Le message s'arrête ici. Ok. Bien entendu, je peux pas le casser. Ça aurait été beaucoup trop beau. Hein? Y'a quoi là? T'es pas si bien caché que ça le coffre. Mais bon, ça me permettra de faire une nouvelle tenue. Un petit baume de soin. Donc là, y'a rien. Les colonnes sont belles, mais bon, ça me sert à rien si je peux pas les prendre. Ok. Il
à 24 bâtons de bois. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Quel dommage, les statues, ça aurait pu être cool de les prendre. Enfin, on pourra peut-être revenir plus tard par ici. Hop. Moi, j'en veux pas. Mince. Ah, ça, je veux bien, par contre. Hop. Ouais. Est-ce que j'ai raté un chemin? Je viens de par là. J'étais par là, donc faut que j'aille par là. Ah. Aïe. Ouais, ok. Je vais en fabriquer un peu d'eau sacrée. Ok, bon, ça je peux le casser, donc je vais l'emmener avec moi. Je peux rien casser d'autre. Par contre, il y a le dragon qui est réveillé. Aïe. Ah, je peux peut-être le tuer, le dragon. Je vais essayer de le battre. Aïe. Parce qu'il est pas très fort. Bah voilà, j'ai bien fait de le battre. Une graine de vie. Bon, par contre, mon inventaire est presque plein. Ça, je vais le prendre, ça pourra peut-être me servir. Voilà, par là. Donc là, il y avait la statue. Ah, ça pourrait être vraiment cool d'y retourner, ça, plus tard. Pareil pour les escaliers, ça pourrait être cool. Et donc on va retourner vers le village. Avant qu'il fasse nuit. Bon, j'aurai pas le temps avant qu'il fasse nuit. J'ai l'eau sacrée, on voit le feu là-bas, c'est le village. En tout cas, ça fait un peu flipper cette zone, c'est tellement sombre. Ça donne pas envie d'y rester. Déjà, on va dormir un petit peu. Je voulais installer ça là. Donc, un truc d'eau pure me fait 5 eaux sacrées. C'est cool. Je vais m'en faire 99, enfin ouais. Quoique on va au pire ça je ferai en off. On va parler au petit bonhomme. Quelle sorcellerie est-ce là? Pourquoi cette eau est-elle si brillante, si scintillante?
Il s'agit d'eau sacrée, dis-tu? Eh bien, si quelqu'un aspergeait d'eau sacrée cette terre maudite, il se pourrait fort que... Oh, mon héros! Mon pauvre héros! As-tu entendu une voix, juste à l'instant? Où sont mes vieilles oreilles qui me jouent des tours? Ah, tu as donc entendu aussi. Et tu m'assures qu'elle venait de cette statue. Se pourrait-il que cette statue n'en soit pas une? N'en soit pas du tout une? Mais un être humain transformé en pierre? Vitriou, à la statue. Cette eau sacrée que tu détiens pourrait être utile. Ah, c'est cool, j'ai déjà 3 graines de vie. Déjà, je vais l'utiliser comme ça pour voir. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, par contre, il faut que je fasse attention parce que j'aurais plus trop de place après. Donc on va l'utiliser. La jeune fille. Où suis-je? Le sort a-t-il été levé? Est-ce toi qui m'as tiré de mon sommeil? Laisse-moi regarder ton visage. Quel air farouche, quelle dignité dans ses traits. En vérité, je sens en toi un grand pouvoir. Tout comme cela s'est passé quand j'ai, pour la première fois, rencontré quelqu'un que je connaissais jadis. Paradès, la statue a réellement pris vie. Ce miracle est le symbole lumineux de l'espoir sur ces terres obscurcies. Tout ce qu'il reste à faire est de voyager jusqu'aux ruines du château de Tantagel et de le faire renaître de la même façon. Si toutefois nous parvenons à rester en vie aussi longtemps, Ryu, je perçois qu'une grande menace s'approche. Ok, ça va être un combat, mais par contre je commence à avoir faim. Tu es le bâtisseur, n'est-ce pas? Celui à qui fut donné le pouvoir de créer? Lorsque Lord Dragon s'est emparé du pouvoir et a dérobé la lumière du ciel, j'ai cru que tout espoir était perdu. J'ai donc prononcé une incantation afin de me transformer moi-même en pierre. J'ignore combien d'années se sont écoulées depuis lors, mais le règne des ténèbres de leur dragon semble durer encore à ce jour. Pourtant, depuis que tu es avec nous, l'espoir est revenu. Car tu es le bâtisseur, celui à qui la bienveillante Rubis elle-même a accordé sa bénédiction afin qu'elle garde puisse renaître. Ryu, où que te portent tes voyages, je serai à tes côtés. Car le chemin que tu suis est celui qui nous ramènera vers la lumière. Ok. Je vais vous faire une petite ellipse, je vais juste me remplir en eau. Ouais, quoique non, je le ferai plus tard. Ryu, je suis fort apeuré, un grand mal s'approche. Il semblerait que le high sable d'un dragon l'un de ses immondes serviteurs ait eu vent du réveil de la princesse. La princesse incarne l'espoir renaissant sur ces terres désolées. Nous devons la protéger à tout prix. Il ne sierait guère d'aborder ce combat sans préparation. Dis-moi Ryu, as-tu faim? Alors permets-moi de partager avec toi une demi-part des brumes que j'ai récoltées. Approche Ryu, tends tes lèvres. Ryu voit sa jauge de faim se remplir totalement. Comment te sens-tu à présent? Ton corps déborde-t-il de vigueur et de force? Oui. Alors je t'en prie Ryu, ne laisse pas ces monstres en maraude éteindre la seule étincelle d'espoir de Tantagel. Si nous voulons que ces terres puissent un jour revoir la lumière, nous devons nous rendre au château de Tantagel et faire en sorte qu'ils renaissent. Ok. Allons combattre! Les squelettes. Ah, là, j'ai vu. Je viens de battre un dragon, alors c'est pas un petit squelette de pacotille qui va me... Dommage. Dommage. Les monstres sont vaincus. Victoire. Ah, on a un téléportail. Ah, la lumière brûle, la lumière, mes yeux, ça brûle. Arrête cette lumière, elle n'a rien à faire ici, cette moitié du monde est à moi, rien qu'à moi. Il a peur contre le monstre. Je suppose que c'est un monstre, mais... ok, donc là, il y a le téléportail bleu.
Un portail s'ouvre vers une autre île. Ok, mais avant, on va redonner un petit peu de gaieté à cet endroit quand même. Parce que c'est un peu triste. Ah, c'est un village un peu plus sympa comme ça. Et donc je suppose qu'il faudra que je revienne ici plusieurs fois. Quelle remarquable démonstration, Ryu. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois capable de tels faits d'armes. Mais pourquoi cet air si solennel? Une telle gravité ne sied guère à un événement aussi heureux, pas plus que ton visage sombre d'ailleurs. Plaît-il? Tu entends une voix au loin, une voix redoutable. Il ne s'est rien passé de tel, je te l'assure. Peut-être ton esprit est-il seulement épuisé par le combat? Tu es le bâtisseur et non un guerrier après tout. Pardonne-moi d'exiger autant de toi. Pourtant, il semble que tu aies reçu une récompense appropriée pour tes efforts. Ceci est un téléportail, n'est-ce pas? Au matin, j'aimerais que tu utilises ce téléportail pour voyager à la recherche des ruines du château de Tantagel. Mais pour aujourd'hui, ta tâche est terminée. Ma cabane est bien vétuste et percée de trous. Mais si tu parviens à les reboucher, tu peux t'y installer pour t'y reposer. Ok. Donc, je vais faire une petite ellipse. Je vais remplir mon sac de d'eau bénite. Et après, on prendra le téléportail. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Je vais voir. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Les amis. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un peu de feuilles comme ça. Je me suis rempli à fond en eau sacrée. J'ai récupéré la fontaine et l'hôtel de divination. Ah, d'ailleurs, je peux sauvegarder. Je sais pas si ça m'indiquait le temps de l'épisode. L'heure à laquelle je viens d'enregistrer ça. On va prendre le téléportail. Ah, je ne peux pas entrer. Mille merci à Ryu, tu m'as délivré des monstres. Je te demande pardon, tu as entendu une voix étrange portée par le vent? Je ne puis en dire autant. Si j'avais entendu une chose aussi terrifiante, je suis certaine que je m'en souviendrais. Il se peut que ta journée épuisante ait quelque peu affecté tes nerfs. Pourquoi ne pas te reposer un moment? Je suis sûr que tu te sentirais beaucoup mieux une fois que le matin venu. Ok, donc je peux pas rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Hop. On va dormir. J'attends ce moment depuis si longtemps. Approche. Viens prendre place à mes côtés. Accepte, et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Qu'en dis-tu? Veux-tu régner à mes côtés? Alors, qu'il en soit ainsi. Et pour sceller cette paix, me feras-tu cadeau de ton arme? Ah, quelle belle épée! Si tu ne me l'avais pas remise, une telle arme aurait été à même de t'offrir la victoire. Enfin, peu importe. Tu recevras ta juste récompense. Ce monde sera divisé en deux, et tu régneras sur ses gouffres les plus sombres et ses recoins les plus sinistres. Ça, que les ténèbres ton gouffre pour l'éternité. Ça rappelle un peu le début du jeu. Ryu, mon enfant, pourquoi ton sommeil est-il si agité? Rêves-tu encore du passé? Ces terribles souvenirs ne sont pas les tiens, mais ceux d'un guerrier disparu il y a très longtemps. Tu n'aurais pas dû les voir. Ne laisse pas ces visions te détourner de ton devoir. Tu vas seulement remplir la mission qui t'a été confiée. Ce sera amplement suffisant. Ryu, te souviens-tu de ce que je t'ai dit lorsque tu es sorti de ton sommeil pour la première fois? Tu n'es pas un héros. Ce n'est pas à toi de vaincre leur dragon. Moi, je vais le massacrer.
Ah. Que la journée te soit clément, Triou. Je vois la façon dont tu t'étires avec entrain que tu as bien dormi. Après ton agitation et tes retournements incessants de la nuit, je craignais que ton sommeil ait été très agité. Je suis fort aise de constater que mes craintes étaient infondées. Ryu, mon garçon, je suis devin, je sais ce que tu es et quel est ton futur. Dans son infinie sagesse, Rubis t'a confié un devoir sacré. Et c'est ici, sur ce territoire maudit de Tantagel, que tu accompliras ton rôle de bâtisseur. Ryu, ton aventure touche bientôt à sa fin. Tu dois persévérer, mais cela ne durera plus guère. Et puisque nous parlons de cela, le moment est venu pour toi de faire usage de ce téléportail bleu. Je te demande d'aller fouiller les ruines du château de Tantagel, où régnait jadis le roi de toute Alevgarde. Ramène la lumière dans cet endroit maudit, et veille à ce qu'il soit reconstruit. L'eau sacrée que tu as créée te sera pour cela d'une aide précieuse. Répands-la autour de toi pour insuffler à nouveau la vie sur ces terres dévastées. Nul doute que les fruits de ce processus de purification te fourniront des matériaux indispensables à ton œuvre de construction. Et si tu devais avoir besoin de secours, reviens me voir. La princesse et moi-même resterons là, dans l'attente des nouvelles de ta réussite. Bonjour à toi, Ryu. En jugé par tes gémissements et tes grognements, je suppose que tes rêves ont été troublés. Jamais encore auparavant, je n'avais entendu des plaintes aussi tristes. Tu ne peux te sentir reposé après une nuit si agitée. Approche-toi de moi, Ryu, un peu plus près encore. Ryu, ouvre ses PV intégralement restaurés. J'ignore comment apaiser ton âme tourmentée, mais il n'en va pas de même pour ton corps. Si jamais tu as besoin de mon assistance, je me tiens prête. Mais d'ici là, voyageras-tu à travers le téléportail que ton précédent combat t'a permis d'obtenir? Si la chance te sourit, il pourrait te conduire jusqu'à mon ancienne demeure. Le château de Tantagel est désormais en ruine, mais tu pourras y trouver quelques indices sur la manière de le faire renaître. Pour que la lumière puisse un jour revenir en ce lieu, il faudrait récupérer l'étendard de l'espoir. Il s'agit du drapeau de ralliement de notre peuple. La preuve que les humains ont un jour pris les armes contre les armées de leurs dragons, et peuvent le faire à nouveau. Si tu parvenais à planter cet étendard au cœur des ruines du château, la déesse accorderait sans nul doute sa protection divine à ce lieu. Je vais rester ici et prier pour que la bienveillante Rubis te garde saine et sauf. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que je ne sais pas où j'en suis niveau enregistrement, j'ai pas envie de faire un épisode à la rallonge. Et puis ça me permettra de découvrir tranquillement la prochaine zone sans nous précipiter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!